L'un des derniers grands de l'ancienne génération compte de nombreux disciples dans la nouvelle génération de la chanson française. Sur la Gigi. Aussi bien dans la gaudriole que dans la délicatesse. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Entre tact et gauloiserie, la majeure partie des chansons de Pierre Perret pose des questions sans donner de leçons. Un répertoire dont la liberté le relie aux artistes d'aujourd'hui. Le dénominateur, c'est des gens libres. Et moi, je crois que ce qui me caractérise, c'est l'indépendance que j'ai eue toute ma vie et la liberté que j'ai sauvegardée avant tout. Je suis de Castelsarrasin et du patois, je m'en souviens. Je me sens proche de Pierre Perret parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'authentique et de très sincère comme moi, qui aime parler et échanger avec ceux que l'on appelle maladroitement les petits gens. Danse pas, mon petit loup, si la vie ne plaît pas, t'oublieras, mon petit loup, ne plaît pas. Les petits gens, qui inspirent aussi les ogres de Barbac, séduits depuis longtemps par les chansons intemporelles de Pierre Perret. Parce que c'est ton nom. J'ai écouté l'intégrale avec mes enfants en allant en Ardèche, comme avec mes parents il y a plus de 30 ans. Et c'est là que je me suis dit, ces chansons-là qui plaisent 40 ans après leur écriture, qui plaisent encore à des enfants de 8 ans, ouais. Eh ben chapeau, hein, chapeau Pierre. Sur les quelques 450 chansons de Pierre Perret, les ogres de Barbac ont réorchestré 15 titres. Ici on peut apporter ses baisers. Revisité par une vingtaine d'artistes d'aujourd'hui, autant de styles qui se rejoignent dans l'univers d'un humaniste à la fois pertinent et impertinent.